Bonjour et bienvenue à la maison L'Olivier, maison fondée en 1822. On va parler d'huile en général et d'huile d'olive en particulier. Alors aujourd'hui, on va parler de l'huile d'olive au basilic, qui est une macération de plantes fraîches, qui est la spécialité de la maison L'Olivier depuis 1822. Alors là, on est sur la macération, c'est-à-dire c'est du transfert dynamique, où on a 270 g de basilic frais par litre. Et donc c'est l'extrait basilic mis en place dans un procédé qui permet de retrouver vraiment le vrai goût du basilic dans l'huile. On a en fait un équilibre qui est idéal, optimal, entre le goût de l'huile et le basilic. Il n'y en a pas un qui va l'emporter sur l'autre. C'est pour ça qu'on a choisi un fruité plutôt doux, type fruité noir ou mûr. Je me permets de proposer une dégustation que je vais faire moi-même en vous expliquant un petit peu le ressenti qu'on peut avoir en goûtant ce type d'huile de macération de plantes. Donc j'ouvre le bidon, j'en verse une petite goutte, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc effectivement, on a tout de suite la présence du basilic très présent. Et en bouche, on a bien la confirmation de cette présence de basilic fraîchement coupée. Alors avec ce type d'huile, on peut soit l'associer en vinaigrette avec un vinaigre aux fruits par exemple, que nous proposons, soit l'intégrer directement en finition, c'est toujours meilleur en finition puisque vous préservez le parfum du basilic, sur des poissons grillés, sur des légumes crus ou cuits, effectivement en finition sur une glace à la vanille, sur des fraises comme je vous ai dit, donc l'association marche encore mieux quand c'est en finition. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à l'huile au basilic, c'est que le basilic est très difficile à fixer, notamment dans l'huile. Si vous mettez un kilo de basilic frais dans un lit d'huile, vous n'arriverez pas bien sûr à ce résultat. L'intérêt, c'est qu'on est arrivé grâce à notre procédé de transfert dynamique de fixer le parfum du basilic dans le temps. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser pendant un an et demi, été comme hiver, puisque l'hiver, il n'y a pas de basilic. Et l'intérêt, c'est d'utiliser aussi ça aussi en hiver, puisque justement, vous pouvez l'associer à de nombreux plats